Coucou, salut, salut mes chéris, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va pas parler de Congo ça. Aujourd'hui, on est dans la cuisine. Je vais vous montrer comment on fait la pâte de pastel et ensuite, je vais vous montrer la farce et ensuite la sauce. Alors, pour la pâte, moi, j'ai pris pour 1 kg de farine, moi, j'ai pris 4 œufs. Ça, c'est 4 œufs. 300 grammes de beurre. Un verre de lait. Un sachet de levure chimique et le sel. On y va pour le mélange. Alors, tu prends les mains bien bien lavées, hein? Très bien lavées avec cette histoire de coronavirus. Tu laves très bien tes mains et là tu viens mélanger. D'accord? Voilà. Tu mélanges tout. Les amis, je sais pas si vous voyez, il y a trop de soleil aujourd'hui. Franchement, si vous avez un robot chez vous, c'est l'idéal hein. Parce que ça demande de la force hein. Faut bien manger pour bien 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 voilà, je pense que c'est bon. Voilà, vous voyez, ça ne colle plus. Quand tu vois que ça ne colle plus, c'est que c'est bon. Voilà, donc on va laisser reposer 2 heures. Pendant ce temps, on va faire la farce. Ok, allez, à tout de suite. Alors les amis, pour la farce, on a besoin du thon. Là, j'ai pris une boîte de thon, 280 grammes. L'oignon, j'ai pris 3 oignons, j'ai coupé en petits dés. Poivron, j'ai pris la moitié de mon poivron, j'ai coupé en petits dés. Tomate concentrée, 1 cuillère à soupe. Cube magie, qui est en verre. Sel, poivre, huile et l'ail. L'ail, c'est ça. L'ail en poudre. On y va pour la préparation? Alors cube, je vais mettre la moitié. J'ai pas besoin de tout en fait. J'ai besoin de plus. Alors après à peu près 5 minutes. Maintenant je peux ajouter mon thon. J'ajoute mon thon. Alors les amis, moi je vais ajouter juste une pincée de citron, comme c'est le thon, il sent tellement fort, mais c'est facultatif, hein, t'es pas obligé. Voilà, juste un tout petit peu, question de couper un peu l'odeur en fait. Voilà, c'est mon petit secret. Alors ça c'est pour la sauce, voilà,
On a besoin de tomates pelées, oignons, poivrons, sel, huile, l'ail et la moitié de cube qui reste de la farce. Maintenant, moi, j'ai ajouté le piment pour que ça pique. Parce que j'aime quand ça pique. Si tu n'aimes pas que ça pique, faut pas mettre. Oui, c'est facultatif. Allez, pour la préparation. Heureusement que j'avais ma bouteille, hein, sinon je ne savais pas comment j'allais faire. Tout est fermé, les marchés sont fermés. Je pouvais pas. C'est au marché qu'on peut acheter le. Je ne sais même pas comment on l'appelle. Bref, vous avez compris. Que ça soit trop fin. Thank you.
Voilà mes amis, c'est prêt. Je tiens d'abord à dire merci à toutes les nouvelles comme les anciennes personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Grâce à vous, aujourd'hui, je suis bientôt à mes 6000 abonnés. Franchement, grand merci à vous. Si tu viens d'arriver et que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes vidéos. Et liker et partager dans ce mois de Ramadan, ça va vraiment aider. Et bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier, que le bon Dieu nous facilite. Alors bon appétit et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bye bye.